Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes d'humeur émotive. Car aujourd'hui on va parler d'un tranche de vie un peu spécial, que vous connaissez normalement pas tous, parce qu'il est pas hyper connu. Dans cette vidéo, on va parler de Relife, ce tranche de vie un peu spécial qui m'aura vachement plu. Mais si j'en parle, c'est pour tout d'abord le présenter, histoire de mettre tout le monde au jus. Après on va revenir sur ses bons aspects et sur le pourquoi du comment vous devriez regarder l'anime ou lire le manga. Et enfin, dans la dernière partie, on va aborder le cas de la suite de l'œuvre, qui est franchement pas évident à expliquer, mais vous verrez que c'est compréhensible. Bref, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre un like, je vous remercie d'avance. Psst, si vous kiffez les slice of life comme celui-ci, je peux vous en proposer deux de plus que j'ai présentés sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si ça vous intéresse, allez voir ça quand la vidéo de Yurin sera finie, mais vous pourrez la retrouver dans la fiche en haut à droite, je pense que vous ne serez pas déçus. Bon allez, je ne reste pas plus longtemps, sinon je risque de me faire attraper. Sur ce, lançons l'intro. Relife est un seinen qui a pour genre comédie, drame, science-fantasy, romance et tranche de vie. L'œuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Yao Iso et a commencé en 2013 et s'est fini en 2018 avec un total de 15 volumes. Ensuite arrive l'anime fait par les studios TMS Entertainment et licencié en France par Crunchyroll. Un film est également sorti en 2017, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Imaginez-vous la possibilité de revivre votre période passée au lycée. Bon, là c'est compliqué vu que la majorité de ma commu sont déjà au lycée ou au collège. Mais imaginez quand même, vous avez la trentaine et on vous propose de revivre votre vie de lycéen. Et c'est bien sûr ce qui arrive à notre personnage principal, j'ai nommé Arata Kaizaki. Un homme de 28 ans qui se retrouve être au chômage suite à sa démission dans son ancienne entreprise. Car apparemment on exploitait mal ses compétences. C'est son droit de démissionner. Mais plus tard vous verrez que ce qui fait la force d'un CV, c'est la continuité professionnelle. En gros, moins il y a d'arrêt de profession, mieux c'est. Et Arata se trouve être dans l'embarras d'avoir démissionné à peine 3 mois après son recrutement dans l'entreprise, ce qui rend son CV très sensible. Et ainsi, trouver un autre travail est très difficile, car presque aucune excuse ne peut justifier un départ à peine 3 mois après. Cette cessation professionnelle l'a rendu pas mal solitaire. Il ne sort plus et ne garde que des liens étroits avec ses amis ou sa famille. Il est littéralement en dépression, et peine à survivre avec ses propres moyens et l'argent que lui envoie sa mère. Mais un jour, plutôt un soir, un homme mystérieux du nom de Ryoyo Ake l'accoste, et propose à Arata un marché qui devrait l'arranger. Ce marché consiste à lui trouver un emploi stable dans l'entreprise de son choix, mais à condition de devenir le nouveau sujet d'expérience du projet Relife. Moi, Relife Kenkyūjō no Yōake Ryō toyu mono desu. Nanka usankusai. Expérience qui dure un an et qui consiste à rajeunir le sujet en apparence et de le renvoyer directement au lycée comme un simple étudiant. C'est une expérience qui a pour sens de se découvrir soi-même. Mais même si les buts et les intentions de celle-ci n'échappent pas à Kaizaki, il préfère surtout se mettre dedans pour pouvoir se sortir de sa situation délicate et retrouver entre guillemets sa fierté. Et donc, finalement, on va suivre l'année scolaire de Kaizaki au lycée. On le verra socialiser et essayer de s'intégrer malgré son véritable âge qui le différencie des autres. Mais la majorité de l'intrigue sera portée par l'humour et les quiproquos de la situation assez spéciale du personnage principal. Et en même temps, les personnages secondaires seront aussi très bien développés, ce qui rend l'environnement du lycée assez vivant. Et c'est du coup plutôt cool à regarder, mais il est temps d'en parler plus en détail. Relife se veut être un animé au premier plan détente. On suit d'abord le quotidien de Arata et de ses camarades, et l'humour se poursuit de plus belle grâce à ce dernier. Certains problèmes vont malgré tout par la suite survenir. Des problèmes qui vont d'abord toucher des personnages dits secondaires, et qui vont au passage se charger du développement des personnages, et ainsi légitimer leur place dans la série en tant que personnage qui a un impact sur son entourage, et non pas en tant que simple figurant. Et c'est l'apparition de tous ces problèmes qui nous fait réaliser la dimension utilitaire et réfléchie d'un personnage qui est en apparence jeune, mais qui a un vécu d'adulte. Ainsi, tous les conseils qu'il donne sont pleins de sens, et arrive à aiguiller facilement nos jeunes étudiants sur le droit chemin. C'est limite si ça fait pas réfléchir le spectateur également. En nous faisant réaliser que cette période scolaire de la vie est bien plus précieuse et importante que ce qu'on pourrait croire. Alors c'est bien beau tout ça, mais on va finir par se questionner sur... Et le personnage principal dans tout ça? Arata conseille tout le monde et résout pas mal de conflits. Mais qu'en est-il de son bonheur à lui? De sa propre remise en question? Ce qui est un peu le but de l'expérience. Et c'est dès lors que la série s'attaquera à ça que le scénario prendra des dimensions qui nous fera sortir du train-train quotidien des Slice of Life. Et c'est ainsi que j'ai personnellement été totalement immergé dans l'animé.
J'ai fini moi-même par m'intéresser comme Yoake à l'influence que pouvait avoir Kaizaki sur son entourage, ou comment tout cela va finalement le faire changer lui, tout ça partant d'abord de sa propre initiative. Ainsi le terme « aide-toi et le ciel t'aidera » prend tout son sens. Et c'est à partir de ce moment qu'on capte vraiment le but de l'expérience Re:Life, et qu'on peut vraiment apprécier la série à sa juste valeur. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les personnages sont conscients d'eux-mêmes. Arata, comme le spectateur, sait qu'il n'est que l'illusion d'un lycéen, et agit en conséquence. Il n'y a ici pas de miracle qui nous sort du contexte réel de la situation. Ça devait se passer comme ça, et tout le monde l'attend comme une fatalité. Encore plus Arata, lui qui a une expérience du monde adulte et du travail en entreprise. Les quelques souvenirs en relatant nous mettent d'ailleurs bien dans l'ambiance, et nous montrent de façon assez crue ce qu'était le parcours de Kaizaki. Ce pourquoi il sait définitivement ce qu'un lycéen conforme au monde du travail doit ressentir. En bref, la série maîtrise parfaitement bien la création palpitante de relations dans sa tranche de vie, car elle a réussi à rendre le tout intéressant dans un contexte en arrière-plan qui l'est encore plus. Ça aborde aussi certaines thématiques plutôt vraies, comme l'importance du moment présent, la pression en entreprise, ce qui peut être encore plus vrai au Japon, et le sens de la justice qui peut s'avérer être à double tranchant quand on agit de manière impulsive et irréfléchie. Et c'est encore plus fatal dans le monde adulte. Mais la série veut au final nous dire de ne pas avoir de regrets, profiter à fond des instants qui nous sont offerts, et que tout ne se termine pas en un seul clin d'œil. Car les feux d'artifice s'estompent, mais les souvenirs, eux, subsistent. Et c'est on ne peut plus vrai avec la manière dont l'animé l'aborde. Finalement, c'était calme et apaisant, puis c'est devenu réfléchi et entreprenant, et enfin c'est devenu émouvant. J'y ai peut-être même perdu quelques larmichettes. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de la suite? Et là vous allez me dire, mais Yorin Sensei, bon peut-être pas comme ça, mais l'anime s'est bien terminé. Alors oui, l'anime s'est fini grâce aux 4 derniers épisodes sortis en 2018. Sauf que la saison 1 s'est arrêtée au niveau de l'adaptation, au tome 8 du manga, et chapitre 98 pour les scans. Mais comme vous le savez, le manga comptabilise plus d'un total de 15 volumes. Et après la saison 1, il restait encore 8 volumes à adapter. Et là vous vous dites, mais il a fallu 8 volumes pour faire la saison 1. Donc comment ils ont pu faire la suite avec seulement 4 épisodes pour 7 volumes? Et justement, car en fait l'œuvre n'avait pas les moyens de se payer une nouvelle saison. Donc pour assurer ses ventes, elle a dû se résoudre à vite conclure son histoire. Ainsi nous avons un total de 7 volumes condensés en à peine 4 épisodes. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas assez. Donc les 4 épisodes en question reprennent juste les grandes lignes. Mais ça résume de malade. Du coup nous passons à côté de pas mal d'événements avec nos personnages préférés. Mais aussi de développement. Pour seul exemple le passé de Hishilon qui est montré dans le manga, mais pas dans les 4 épisodes. En gros, on n'a pas la totalité de l'expérience, ce qui est plutôt dommage. En bref, si vous voulez une suite digne de ce nom, le meilleur est de reprendre le tome 8 du manga ou chapitre 98 pour les scans. Normalement, c'est juste après les feux d'artifice, donc vous devriez vous y retrouver. Au niveau de la suite, je pense que c'est tout, car vu qu'ils ont voulu rusher pour finir, c'est sûr et certain qu'ils ne se feront pas chier à refaire un remake pour dignement finir l'œuvre, avec les éléments du manga. Donc là, je vais plus le dire par routine, mais n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.